Bonjour, je suis Rick Buiss, modèle Skyblock 3. Alors là, j'ai continué à ramasser quelques ressources. Ça c'est. Qu'est-ce que j'ai ramassé? Du bois, j'en ai fait un peu. J'ai tué des monstres de temps en temps. J'ai réussi à avoir des animaux. Et me donner un œuf. J'ai commencé aussi à classer mes choses parce que j'avais du mal à trouver mes affaires. J'ai oublié de dire, première chose, que j'ai refait mes tools. J'ai mon pickaxe puis j'ai fait une matoque à la place de la hache. Parce que la matoque, elle a l'avantage, elle peut servir de faux. Puis aussi, l'excavate marche dessus, il fonctionne dessus, contrairement à la hachette. Donc ça vaut la peine d'avoir une matoque. Ils sont en silex, je pourrais toujours les upgrader. Ils ont pas mal de modifieurs que je peux mettre dessus, mais là pour l'instant j'ai pas assez de quartz pour mettre l'épée plus forte. J'ai pas assez de redstone pour mettre du haste, fait que je vais laisser ça comme ça, mais ça va venir quand on met des modifieurs là-dedans. Ça c'est pas mal des graines dans ce coffre-là. Ici, c'est les morceaux de monstres. Je l'ai nettoyé un peu. J'ai rajouté ça ici, là, un drawer. Ici, c'est ce qui se mange. Là-dedans, c'est pas mal des matériaux de construction. Mais pas juste. Il y a quelques autres affaires aussi qui n'ont pas d'affaires là, mais bon. J'ai refait du netherrack. J'ai refait du netherbrick. Ici, j'ai mis quelques gugus diverses. Ici, c'est pas mal des ressources de l'or. Ah, ça va pas là. Ça va dans les systèmes non familiers, ça. Ça, c'est les systèmes que je peux rien faire avec. Pour l'instant, on peut pouvoir l'utiliser plus tard. Donc, la pisse, le nether quartz, ah, diamond thing, ça va pas là. Je peux rien faire avec. Ça, techniquement, ça va pas là non plus. Les chaos essence, ça sert à rien de mettre ça là-dedans. Je suis mieux de libérer ce coffre-là pour mettre des choses que je peux, avec lesquelles je peux. Bon, ça, c'est des matériaux de construction, ça devrait aller ici. Ça, c'est pas des ressources en tant que telles. Ah, pas là. C'est bon. Ok. Ah, il y a ça ici. Il y a encore un familier à éteindre. Mais il y a encore du triage à faire un peu dedans. Ça s'en vient. Ici, j'ai mis un tool rack. J'ai mis quelques outils là-dedans. Puis le coffre ici, c'est vraiment des outils qui rentrent pas sur le tool rack. Les chaudières, les livres. On va faire quelque chose avec les livres bientôt. Ici, j'ai mis les gemmes qui ne se font pas traiter. Une chaudière pour me transférer l'eau dans le chaudron. Puis le marteau, parce que le marteau est utilisable à peu près juste ici. Donc j'ai mis ça ici. Ici, ça sent bien. Si on veut laver des minéraux, on a l'eau qui est proche. Ici, j'ai mis mes plantations, ça va bien. J'ai continué à grossir un peu le jardin. Là, j'ai rajouté, j'ai des fibres de. Ah, je viens d'avoir des graines ici. J'ai des fibres de chanvre qui continuent à pousser. Les graines de lin. Les graines de lin, c'est vraiment utile, ça donne des fils. Donc ça, je cracherai pas là-dessus parce que j'en avais pas des fils. Puis je vais pas trop travailler sur le spawner parce que tant qu'à ça, je vais le refaire avec un design d'entonnoir. Puis ça va être. J'aimerais ça avoir ce qu'il faut pour le faire bien. Ça me prend des vector plates pour les déplacer les monstres. Puis là, j'ai pas accès au vector plate en ce moment. Là, c'est ça. Alors, avant de commencer, il y aurait deux. À progresser, il y aurait deux affaires que j'aimerais faire qui sont pas dans la quête. Oak sapling, parce que ça donne des pommes. Le oak sapling, maintenant j'ai accès parce que j'ai eu des pommes depuis avec des drops. En quatre pommes, puis une. Ah, juste un autre sapling, ok. On va se prendre un sapling quelconque. On va prendre quatre pommes. Là, c'est dans ce qui se mange, ça, les pommes sont là. On va prendre la Life Infusion Stone. Ah, elle a un coffre en avant. C'est vrai, c'est vrai. On va l'installer ici. Je vais planter le sapling. Vais prendre mon Life Infusion. Placer ça dans mon hotbar. Là, j'ai toutes mes cœurs. J'ai eu un neuvième cœur à un moment donné. À force de manger de la nourriture.
Allez, cool. Hey. J'ai un oak sapling. Un vrai, là. Ok, là, il faudrait que je mange. Je vais aller faire ça. Je vais me récupérer du plan de malheur aussi. Je vais vous faire pousser. Se prendre, tiens, ça. J'avais des pervers de morceaux de zombies de monstres pour aller faire de la nourriture. C'était quoi que je vais prendre là-dedans? Ah, du plan de malheur aussi. J'en ai quelques-uns. On va voir si on peut pas faire du oak wood. Hey, ça fait longtemps ça. Ah ouais, ça au début de la semaine en Minecraft. J'en ai. Avec la hachette, je peux excaver. Ah, ça a coupé la feuille à place. Je récupère ça, un sapling. Oui, j'ai récupéré des saplings. Parfait. Pas de pommes, mais moi j'ai récupéré des saplings. Ah, c'est bien là, tout ça. Oh, ma hache est presque foutue, merde. Ah, bah, ça va l'achever. Péter, je te mets ma hache. Ah, ça me redonne pas de sapling. Merde. Ok, faut que je fasse quelque chose pour la hache, là. Parce que dans ce temps-là, il faut que je prenne un morceau de flint. Des fois, ça en prend même deux. Puis on va sur la tool station qui est dans la salle de Tinker Construct. Il faut la réparer. C'est pas très bon aux durabilités, ça tient pas la route. J'ai coupé ben du bois, fait que c'est sûr que ça m'aide pas ça. Là, ça c'est préoccupant, ça mène pas toujours le sapling, ouais. Il va peut-être être obligé de refaire avec la pomme. Les pommes, j'en ai pas d'autres, je peux pas en avoir. Certainement pas des pommes, c'est très rentable. Ah là, j'en ai récupéré, je crois. Ah oui, j'en ai, mais j'ai un. Il en récupère de temps en temps. Ah oui, j'en ai d'autres, bon, j'en ai. J'ai tout épuisé de plein de malheur là-dessus. Là. C'est ça, je me casse pas la tête, je reste sur place. Ah, ma hache a fait un ding. C'est bon ça. On s'en fout, je plante. Puis là, quand j'ai plus de plein de malheur, mais je fais le tour puis je ramasse tout ce qui est tombé à côté. Je pense que j'ai 2, peut-être même 5 minutes pour ramasser le stock avant qu'il disparaisse. Fait que c'est pas. Il n'y a pas de stress avec ça. T'sais. Et voilà, il y en avait jusque là-bas. Change à grandir ça en pierre. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Aïe, aïe. Donc là, j'ai presque une pile de oak. J'ai pas eu de pomme. Ah, ça, c'est pas bon. Voilà. Mais au moins, j'ai eu du oak wood. Ça, c'est génial. Je vais le mettre dans un petit drawer, ça. Je vais prendre des drawers comme ça parce que ça me donne rien d'en prendre des gros pour l'instant. J'ai pas de place pour les mettre. Puis. Je fais pas assez de ressources, ça vaut la peine. Donc on met ça là-dedans. On met ça là-dedans. Voilà, je vérifie que ça. Je vais faire un F7. Je vais m'assurer qu'il n'y a pas. Oh, j'ai-tu bien fait de faire un F7. Ouais, hein. Il y avait un beau spot. Il aurait pu y avoir des belles bébêtes qui auraient spawné là-dessus. Yeah. C'est réglé. La deuxième chose hors calque que j'aimerais expérimenter, c'est le Akashic Tome. Alors pour ça me prend un livre. Il va falloir que je prenne 3 morceaux de papier et une peau de vache. J'ai-tu un shaver? Non, j'ai pas ça. On n'a pas ce mode-là. Ça aurait été cool, ça. Donc, il va falloir y aller avec la vieille façon. Parce que là, j'ai pas de peau de vache. Non, je trouve pas mauvais. Ah, mon papier est là-dedans, lui. Ok, mon pot de vache. Ça prend 3 livres.
support papier plutôt. Un fil. Deux planches, un bâton. On va le faire à la façon Tinker Construct. Deux planches, deux bâtons. Donc j'utilise les planches et les bâtons pour faire des stencils. Voilà. Là, j'ai trois papiers, le stencil, le fil. Si je me rappelle bien, c'est une combinaison dans ce genre-là. Mais je suis plus sûr. C'est peut-être deux stencils. Oui! Tiens! J'ai un livre. Ah! J'ai pas pensé à ma shot, ça prend plus que ça. Ah! Oh non, c'est vrai ça. C'est parce que ça prend genre trois autres. Ça prend genre trois autres livres. On va les équilibrer. Pour moi, je fais comme ça. J'ai mis mes quatre livres. Ça va prendre six planches. J'espère juste que c'est ce que ça va marcher, ça. Ouais. Je parle des livres, c'est. Ouais. Ah oui, ça marche! La cassique tombe. Yeah! Ça, c'est bon. C'est le livre ultime qui groupe tous les autres livres. Je sais pas comment ça marche. Ça. Je vais shooter ça là-dedans. Ça, je peux aller mettre ça dans mon rack Tinker. Ouais. Hop. Ah, j'ai récupéré d'autres affaires en plus. Ah, tant mieux. C'est plein de robots d'avoir du stock. Pattern. Ça va dans la Stencil Table. Je peux placer des. Ah, je n'ai plus justement. Hein. Bon, fait que ce livre-là, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On va essayer de ranger le bois et les saplings. Les saplings. Ah, ça, c'est le bois qui va là. Les saplings. Je pense que ça me prend d'autres livres. Sur... Je sais bien que la moitié des livres rentrent pas dedans. Là. Ça prend d'autres livres, même chose. Puis là, on va faire un clic droit là-dessus, j'imagine. Fonctionne pas. Hop! Ah non! Ah, phew! Qu'est-ce que j'ai fait? Je pensais qu'il plantait. Mais j'ai même peur qu'il plante parce que c'est bien meilleur de démarrer s'il plante tout le temps. Je ne suis pas capable de jouer. Ah, faut que je crafte avec le livre. Ok. Ok, parce que là, il me dit que dans le livre, il y a un Lexica Botania. Ok, puis si je uncraft, peux-tu récupérer le livre? Non. Là, je peux me rajouter le livre d'Actual Edition dedans. Ah oui, c'est ça. Ok. Puis le livre de celui-là, le Forester. Ah oui, tous les livres rentrent dedans. Mais si je clique dessus. Ah, je peux choisir lequel! Ah, c'est excellent! Maintenant, j'ai besoin de consulter les livres d'Actual Edition. Ah, ça devient le livre d'Actual Edition, ok! Wow! Après ça, quand je sais pour revenir, je peux pas. This book guides you, ok. Use while holding to open, ok. Ah, j'ai fait un left click, ça a redonné le livre. Ah, je peux le transformer. Je peux, mettons, j'ai besoin d'avoir accès au Lexica Botania. Hey! C'est dans mes hot, ça! Yeah! Ça, c'est le livre universel. Regardez si je pourrais pas faire le livre d'Open Block. Je vais vérifier si j'ai des fans dans le mode des elevators. Alors, si on prend un livre. D'accord, j'avais gaspillé plein de papiers, là, mais bon. Il faut que je les fasse, ces livres-là. Un livre, puis une planche. Ça fait le matériel de New que j'avais même pas eu au début. Je l'ai. Après ça, je vais me prendre une petite balle d'argile, je l'ai mis où dans lui ici. Il a pris deux fois, il fait tout le temps ça. Donc on prend un livre. Puis on prend un morceau d'argile. World Domination. Ça, c'est le livre d'Open Block. Je les ferai pas toutes là, mais ça, celui-là, j'en avais besoin. Parce que le matériel est new, il donne des informations utiles sur les statistiques des outils, des matériaux. Fait que je l'avais pas. Fait que je pourrais avoir besoin de consulter.
Puis je me suis dit, tant que j'ai tant qu'à avoir du papier en ce moment, je vais me l'utiliser pour ça, parce que peut-être qu'après ça, je vais avoir des idées de génie pour le gaspiller. Puis là, je me rends compte, ben là, j'avais besoin de plus de papier. J'avais besoin d'autres papiers pour faire un matériel à nous. Je peux pas. Puis là, je vais chialer. Fait que là, comme ça, je vais chialer, ben j'ai plus de papier, mais au moins, je vais avoir mon livre. Je vais le combiner avec mon tome. Pour pas que je le perde à cacher le tome après. J'ai vu quelqu'un, je sais pas si c'était Dire Wolf ou Hayley, qui avait eu dans un loot bag le livre avec tous les livres dedans. C'est quand même hot ça. Tiens. Je vais aller potasser le World Domination, je vais vérifier ce que je pense. Parfait, il est là l'élévateur. On peut pas le crafter. Ah, j'ai pas assez de laine, je serais curieux de voir si. Ok, donc ça c'est bon, on l'a pas, mais. Je ne peux pas savoir c'est quoi le stage jusqu'ici. Ici, j'ai un sky block. Je pense que c'est comme les Ninja Ring, ça. Une éponge. Ah, le sprinkler, on a ça. Stone, big button. Bat. Ouais. Rope ladder, c'est peut-être intéressant, ça. Ah, joli, on l'a, la fan. Cool, ok. C'est pas compliqué à faire. Je pense que j'ai pas accès en ce moment parce que j'ai pas dans mon pas dans JI. Mais des fois il y a des bugs, il y a des choses qui apparaissent pas dans JI mais qui sont là. Fait que il faut toujours essayer de la crafter. Ok, alors maintenant il va être temps de progresser un peu dans les quêtes. Mais avant peut-être il y a une autre affaire, c'est vrai qu'il faudrait peut-être je regarde ici le. Ah, mon condensateur est encore en pierre. Hein? Il est complètement en pierre. Ok. Donc ça là. Je vais prendre tout le fer que j'ai pour le moment, mais je vais le refaire en fer parce que ça va donner plus de stock. Puis je vais faire après ça le casing aussi en netherrack. Si je fais un iron combustion heater, ça va-tu prendre un autre fuel que le charbon. Efficiency à 121. Ah, ça prend juste furnace fuel là-dedans. Ça vaudrait la peine de le refaire en fer, ça. Ça prend un iron. Hey, tabarouette. Ça va prendre plein de fer. Mais je pense que ça vaudrait la peine. Il faudrait quasiment que je refasse mon. Lui aussi, là. Comme Combustion Heater. On le fait en fer. On fait le casing. Mais la priorité, c'est lui. Lui. Absolument. Le condenseur, puis le casing, on le refait en fer. Surtout le casing, on le refait en fer. On fait le casing en netherrack. Je vais installer ça ici. Ça, c'est du taponnage. Je n'ai rien enregistré ça. Il faut le faire. J'avais 47 fer. Ma ration. Ça peut être ça! C'est fou! Mais là, c'est fait. J'ai un combustion heater en fer. Le condensateur est en fer aussi. Je pense qu'il va falloir que je l'essaye là. C'est parti pour ça. Donc là, il faut que je me reprenne la zombie, plus la tenue, puis la blaze, puis je refasse ça. Bon! Là, j'ai reparti du fer. Là. Mais ça n'a pas d'allure, ça, t'as l'air bien. Je vais faire le casing dans ce temps-là. Nether brick. Ça, c'est du netherrack que j'ai fait cuire. Le netherrack, je l'ai fait d'autres fois, c'est le même principe. Voilà, j'ai mon casing. Il y a 40% d'efficacité. Il peut monter à 3072 IO. C'est pour ça que j'ai besoin de ça. Là, je peux aller dans mon questbook, aller marquer cette quête-là. Basic Resources. C'est ici, le Super Hot Casing. Je peux réclamer un coffre. Donc là, avec ça, ce que je peux avoir accès à la glowstone. Ouais. Ah, je peux faire du soul sand aussi. Ça prend du sandy netherrack puis du soul sand. Pour regarder ça. Ça m'a donné de l'expérience. L'expérience de rapport que j'ai mis là-dedans, je pense. Ça. Ok. On pourrait regarder ça pour le Soul Sand. Faut faire du Sandy Netherrack. Ah, ça c'est. Oh, ça prend Nether Wart. Ah merde. Netherrack, Sand, Nether Wart. Nether Wart. Ah, je peux même pas le faire. Ça prend le. Ah, on peut le faire avec du Manon Fusion. Ah oui. Ah, si j'avais des Blaze Rod. Et si j'avais des Blaze Rod? Ah oui. Ah, l'autre façon, c'est avec du Life Infusion. Ah, il faut avoir des Spider Eye. Ça, j'en ai pas. J'avais du Jelly Serin. Ah, c'est ça, faut que j'aie des araignées.
Fait qu'il faut que je refasse mon spawner pour ça. Ah, c'est plate. Ok, on va faire attendre d'avoir le... Ah, ça c'est plate. Mais ouais, parce que je l'ai pas, ça. Ok, bon. Tant pis. Ce qui est important, c'est de faire la glowstone. C'est ça, parce que... Ben, c'est ça. Je vais installer ça. Je vais revenir là-dessus. Il faut que je continue à travailler mon fer. Là. Ça fait très bien que je prenne mon dernier petit morceau de fer. Je vais me faire une autre baguette. Deux morceaux plus le dernier morceau de fer. J'en ai d'autres en préparation, mais Iron Wand, ça dure plus longtemps. Voilà, on va aller s'en servir. C'est vrai que je n'ai pas montré ce qu'elle fait. Elle permet d'agrandir, elle permet de construire avec. Elle place les blocs adjacents, en fond. Je l'avais utilisé beaucoup dans Sky Factory, mais j'avais pas encore. J'avais pas montré ce que je faisais avec dans ce pack-là. C'est le même principe, là. Ou de placer les blocs un par un, on peut les faire à la machine avec ça. C'est pas hyper puissant parce que c'est un. C'est 5 blocs à la fois. Puis la baguette, elle a une durabilité qui est assez. Surtout en pierre. En fer, c'est un peu mieux. Là. On peut en faire une en diamant. Mais les diamants, j'en ai juste 3, faut que je vais pas les prendre pour ça. Moi, je pense que j'ai plus de pierre. Ouais. De côté. Il faut pas que j'échappe ça. Je vais installer la chose à combustion. C'est le même principe que l'autre. C'est juste qu'il faut le faire. Je vais dormir aussi. Et après ça, quand je vais revenir, je vais probablement être prêt à faire la glowstone. Je vais le montrer. Ça va être cool. Je pense que je vais penser à assembler ça. Je vais ouvrir à peu près ici, moi. Hein. On place une pierre. C'est une pierre qu'on place. Oui, c'est pas un coffre. C'est une pierre. Après ça, je place le casing en netherrack. Je peux placer le. Ah, ça va quasiment me prendre une autre stone clock. Hein. Je peux placer le combustion engine en fer là-dedans. Puis là, ce que je vais faire, je vais venir placer le. Un bloc temporaire sur le dessus de ça. Ah, ça n'a pas marché ça. Non. Je peux utiliser la vitre. Il se ferait. C'est ce que je voulais. Mais si j'étais assez vite, je vais être capable d'aller placer les 4 vitres dessus. Et il se ferait. C'est ça que je voulais faire au début l'autre fois. Puis j'avais pas les blocs pour. Après ça, il faut que je vienne installer des blocs de construction. Pour pouvoir grimper. Je vais se prendre d'autres choses que du bois. Ben oui, j'en ai autre chose que du bois. Je vais prendre les lava bricks. Ça fait très bien, il me semble, avec le thème de. On va faire un truc en netherrack. Qui va être. On va voir sur lequel on va grimper avec des choses en lava brick. Oui, oui. Bon, alors j'ai grossi un peu ici, juste pour être sûr de ne pas tomber dans le trou en reculant pour faire marcher ça. Je vais y aller avec le bouton pour ça, parce que je pense que ça va être. Le musicien. Oh, elle n'est pas valide, ok. Faut que je mette de quoi dessus, c'est ça. Je vais mettre une pierre. Okay. Je vais aller chercher ça. Ça passe mal ici, ouais, ouais. Tabarouette. Ça va être du stock là-dedans. Ouais, il double-clique tout le temps. Ok. J'ai pas mis le charbon parce que là, ça marche pas. J'ai sûr de pas gaspiller pas de fuel. Là, c'est bon, l'illumination est correcte. Il n'y a pas de. Ah, c'est la belle brique, ça. Ah, oui. Faut que je place une pierre ici. J'en place une autre là. Là, en principe, ils vont me dire que la structure est valide. On va aller voir. Elle l'est. Bon, je peux mettre mon fuel dedans. Oh, oh. Ok. Ça a pris 2 morceaux de charbon juste pour la monter. Et non, 3. Tabam. 4! Eh! Wesh! Ouah! Quelque chose! Là, c'est pour faire de la glowstone que je vais utiliser ça. Ouais. Alors, pour avoir de la glowstone, ça nous prend des petits morceaux de glowstone. Ça, c'est hot. Voici. 4 redstone, 2 blazes. C'est pour m'en donner 5. Et pas tant, ouais. 4 redstone, j'ai combien de redstone dans mon stock? Là, il va falloir que je refasse de la redstone aussi. Ça,
Ça, c'est deux guns de blaze, ouais, c'est ça. Voilà ce que j'ai dans mes choses. Restons, j'en ai 5. Oh, ok. Quatre redstone. Ah, faut que je remette des matériaux là-dedans. Je vais arranger ma baguette aussi. 4 redstone, 2 blaze. Blaze, c'est ici. Et puis, ça va pas bien, mon affaire. Ouais, après, on va s'en faire plein, la blaze. Ok. Je vais mettre la Iron One là-dedans. Ok. C'est quoi cette pierre-là? Je sais pas. Stone. Je sais pas comment c'est. Une stone de plus. Pas besoin. On va arranger. C'était une cobalt que j'ai mis en haut. Ben oui. Bon. Il faut aller dans l'autre. Il faut aller dans le premier machin. Ok. Je vais faire dans les trois finalement. Ici. On jette le gun par là, là-dedans. Voilà, c'est fait. Il faut que je monte ici pour venir continuer à alimenter le condensateur. Il peut pas être tellement plus efficace que ça, en fait. Non, c'est ça. Pour l'instant, je trouve que ça n'a pas donné grand-chose. On va lui donner du matériau là, pour qu'il brûle ça. Là. Puis après ça, j'ai affaire ici. Une batte avec cette machine-là. 4 redstone, 3 blaze, c'est ça? Je suis plus sûr. Je vais vérifier parce qu'il ne faut pas le mettre. Si je me trompe, ça ne marchera pas. De la glowstone qu'on veut faire. Ouais, 4 redstone, 2 blaze, ok, c'est ça. Je vais enlever ça, je suis sûr de ne pas prendre ce que je veux pas. C'est ça parce que je veux faire ça le plus vite possible. Ok, 4 redstone. 3 et 4. 1, 2, ferme. Ah, il a récupéré. J'ai jamais vu aucune vidéo dans laquelle ça fait ça. Il récupère le bloc, le matériau tout le temps. Ça marche, là? Ouais, j'en ai. Wow. Glowstone. Phew. Il va falloir mettre une redstone clock là-dessus aussi. Ouais, hein. Ok, la glowstone est faite. J'en ai eu. Claim. Ça me donne accès à quoi? Ah, ça ouvre ici. Le nether. Il faut que j'accède au nether. Puis ici, c'est incomplété, celle-là, le netherrack. Ah oui, c'est ça. Là, faut que je réussisse à avoir une blaze. Mais ça, pour ça, faut que j'aille de l'obsidienne. Ah, c'est quoi que j'ai eu comme cadeau, là? Ah, je m'éloigne, c'était cool, c'est encore le Ball of Water. J'ai mon teint dans le milieu de la base pour ouvrir ça. Badass Glasses, ah bon. Open Blocks. Bon, là, j'ai eu la cassée de tombe, le Oak Sapling, puis la Glowstone. C'est quand même pas si mal. Là, la prochaine étape, c'est d'obtenir l'or que j'ai besoin pour compléter quelques autres quêtes, puis. Puis faire des moules aussi pour faire des outils. Ça se fait en or. Mais ça va être au prochain épisode, ça. Alors, à la prochaine!